Salut la Team Terre, Sylvain Chef Dupont. Finalement, les permissions vont attendre, car ce week-end, une petite mission est tombée. Nous avons pour mission d'entraîner l'équipe de hand féminin du Paris 92, l'élite du handball français. C'est parti. Salut la Team Terre, c'est le Sergent Dupont. Aujourd'hui, nous avons une séance Chore avec l'équipe de hand du Paris 92. Les pantalons, c'est horrible. Ça va. On a hâte que se termine. On sait pas. On nous a dit que c'était la dernière de la journée. Hein, donc moi, je le prends pour argent comptant. Ça va. Tu veux faire ou pas? Comme vous voulez. Oui, bah, c'est un grip vraiment soutenu. Elles ont fait plusieurs séances dans la journée là, donc c'est vraiment bien. Elles enchaînent vraiment les épreuves avec toujours autant d'énergie et toujours l'envie de gagner. Donc ça, c'est top. 16, 17, 18. On est fatigué, on va dire. Oui. Ça se passe bien, mais on est fatigué. Ouais. Ouais, bah, la journée a été chargée. Moi, je pense que c'est un ensemble, c'est un package. C'est vrai qu'on a été repoussé quelque peu dans nos retranchements. Il y a aussi le mental qui a énormément joué. Donc voilà, c'était pas simple, mais ça faisait partie du jeu. Donc on va essayer de se reposer. Cohésion, l'entraide, cette capacité à repousser ses limites, hein, tout simplement, et puis développer aussi cet aspect mental qu'on peut toujours améliorer. C'est vrai que c'est jamais simple à chaque fois de sortir un petit peu de son quotidien, de son cadre sportif. Et là, on est dans des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc forcément, il y a cet aspect mental qui se développe. Ouais, exactement, c'est 60% de la performance, je pense, que le mental actuellement. Ouais, ce matin, ça a pas mal décoiffé hein, quand même quand on est arrivé. C'est vrai que prendre la température et se mettre dedans, c'est pas simple. On a fini par un cross, mais ce matin, c'était pas mal. Ça a envoyé quand même un petit peu, je dirais, pour se décoller la couenne, on va dire. J'aurais pu m'engager, mais moi, j'aurais été plutôt armée de l'air. On commence par la tête, on mange le corps et on finit par la queue. Tout manger. Pas la tête. Il y a mieux, hein. À la vôtre. On est des lions, mais pas de l'armée. Mais on a tout ce qu'il vous faut. On sait ramper et escalader. Même quand c'est très compliqué. On mange des poissons pas grillés. Dans des rations en acier. On est les rouges, on a tout gagné. Et les bleus vont pas exister. Les rouges, on a mangé du poulet. On est l'équipe tous en tri. Et on est toujours unis. Paris. On est l'équipe tous en tri. Et we working like a we work like a we. You will see. Team Blue!
fatigué. Vas-y. Allez, bonne nuit. Océane, à tout à l'heure. Cette nuit, petit réveil surprise pour l'équipe du Paris 92. On va partir sur une petite marche nocturne. On va voir si elle s'inquiète ou pas. Dans un premier temps, c'est de rejoindre le pont ici. Très bien. Quand on sera à ce pont-là, on aura une nouvelle carte. D'accord. Il nous amènera à un prochain point et ainsi de suite. D'accord. Il y en a combien de points? Il y en a un certain nombre. C'est formidable. Formidable. On adore. Après une petite nuit à la Belle Étoile, on commence la journée par un petit parcours d'obstacles, sport préféré de nos militaires. C'est parti. 3, 4, 8, 3, ta gueule, 8, 3, ta gueule. Ça va, on se sent des vrais militaires là. Vraiment. C'est l'heure de dire au revoir à nos handballeuses du Paris 92. On les remercie pour leur confiance accordée à l'armée de terre pour préparer leur saison. On leur souhaite d'excellents matchs. En attendant, en avant soldats.